Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Depuis ou pas légal, ou pas de droit sous moun. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en pile coup de balle a chanté nan moment là côté plaisir imité nan la police là sous place nan moment n'a parlé à là nan cadre yon opération garçon pa campé chef de l'ordre là a mené pour comment yo ta capable déloger groupe gang village de Dia qui t'a permettre circulation nan entre site pays a on ti jan paralysé donc ou même k'ap fait zone ça en pile prudence est-ce que gè bandi tombé. Est-ce que la police qui blessé? C'est toute information ça yo nous pral ba. L'autre information qui très très important c'est que après la police lui-même te fin gagné yon entente ensemble avec armée colombienne et bien la police prend une gros décision. Pral bon plus détail talé comme ça. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs, vu avec tout chèque qui t'a publié sur réseaux sociaux yo comme quoi c'est maman Yuri, maman sénateur Yuri la tonti qui t'a touché comme ça depuis en 2011. Donc yon salaire en dedans parlement qui yon nombre de 800 000 goudes, c'est parti bagay piti. Et bien sénateur t'a pral croisé ensemble avec journaliste m'pa caché d'où quoi déclaration faite et si pas de moun qui était là sénateur te ka tout mette la fin ak la vie journaliste là c'est ça journaliste là déclaré nous pral bon plus détail talé comme ça dossier Yuri Chevry. Eh bien gouvernement pays d'Haïti a mandé l'état dominicain formellement pour yo voyer et Yuri Chevry tourner ba yo pour venir répondre question la justice. Donc en pile acteur politique a tweeté et non seulement ça tout nous songer déclaration et responsable droit moun dans pays d'Haïti a qui ça te dit nan ka ça. Est-ce que la police dans pays d'Haïti a pleuvé à chercher Yuri ou bien c'est l'armée dominicaine kap potel vini. Rale ti chèz ba ou chita confortablement. Albo tout détail sa yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nou ye? Encore l'autre fois m'abdou merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci pour like ou yo, merci pour commenter ou yo et merci tout pour partage ou yo. Encore l'autre fois, sou fait tombe sous channel là, pas hésiter activer cloche notification pa ou là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pa ou Foucault. Hier nous te baye yon ti compte kont sa ki se papa m'gè yon ti choix, li se le lan ou, li se le lan ba. Ha! An pil moun te répond, gè yon ti graj, gè yon ti kay, et bien, effectivement, se réponse la sa. Donc, avant que nous entrer dans le journal la, mesdames, mademoiselles et messieurs, mes comptes wap genye pour aller chercher éléments de réponse la. Waya waya, en bas piquant. Donc, pas hésiter, quitter, ti réponse pa ou la, cri crac, waya waya, en bas piquant, c'est qui ça, lié. Quitte un commentaire pa ou la, ça a fait nous plaisir, en pile. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous connaissons pendant un dernier temps yo la, eh bien, kidnapping qui fait yo toujours longe droit yo sous village dédié à Gravine. Et ceci d'après information qui t'a circulé fait quoi? Des Dominicains qui ont été kidnappés yo, c'est en dedans, et Gravine yo été entré ensemble avec. Et nous songeait, moun kap dirige Gravine c'est Tilapli, et moun kap dirige village dédié lui-même c'est Izo ensemble avec Manu. Donc, en ce sens, eh bien, hier après-midi, pile coup de balle t'ap chanté en bas cause circulation nan entre capital la moun kap soti nan sid yon nan gros difficulté cause bandi yo même pas suspend si mais la trouble derrière ya. Donc nous connaît que et dernièrement là et responsable la mais Colombia te rencontré avec TGPNH là pour te entendre yo. Donc gon équipe spécialiste qui pral débarquer dans pays d'Haïti pour que yo continue lutte contre enlèvement pour être capable de déloger tout bandit ça yo. Et ceci, moi-même, m'a demandé DGPNH là, bon bandit yo vivant pour yo parler ban nous, pour yo ban nous détail, pour yo mettre vérité d'ailleurs, puisque moun kap bataille yo c'est youn, mais moun kap pousse yo à la violence là, c'est eux même qui pi gros criminel là, parce que y a toujours style gen bandit kap suivi yo. Parce que l'argent li même li rele pejol, chime l'argent, pas gen piquant, nous connaît ça. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, vu avec manifestation que opposition à lui-même, li déjà annoncé dans le jour 28 février, nous connaissons 28 février, après dimanche, et
ceci et tout secteur protestant, c'est ça yo fait qu'on est, yo a mobilisé, yo a ramassé toute force yo pour yo pousser un seul cri, yon façon pour capable dit président Jovenel Moïse, mandat ou fini non à la dictature, ça c'est une. Et ceci hier, nous t'es capable garder et ministre affaires étrangères lui-même, li t'a parlé dans CNN côté il déclaré que président Jovenel Moïse pas un dictateur, mais au contraire, c'est la démocratie, donc s'il t'est monté tel c'est normal pour dire l'a fini tel. Donc en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien Udmoyo responsable Udmoyo t'a pral sorti une note côté au déclaré depuis nan 25 nan vendredi pour toute policier Udmo n'importe côté qui ouye pour entrer dans base yon façon pour capable vin sécuriser manifestation. Donc en ce sens la police lui-même a renforcé et ceci moun yo même yo pas suspend voyer des messages pimabouk by l'état. M'a fait qu'on est tout plus passé 800 organisations écrit Joe Biden président États-Unis pour que les suspend supporter président Jovenel Moïse. Mais femme dit nous tout mesdames mademoiselles et messieurs, côté bagala anti Jean paraît compliqué, c'est que nan pays pas Joe Biden nan pas gis a fait des transitions de rupture. Donc là n'a dit nous besoin transition, nous besoin transition pour qui ça? Est-ce que transition en lui-même li écrit dans constitution? Non. Hier nous t'attendons des déclarations pasteur l'église protestant yo kote yo fè konnen pays a pas cap diriger par décret, pays a pas cap diriger sans parlement. Mais pour gen parlement ça ke pour gen élection, pour qu'il suspend diriger par décret ça ke pour gen élection. Donc la transition a monté lui-même élection, est-ce que c'est tout élection qu'a fait comme ça ou bien a invent ton parlement? Mais transition en ça lui-même pas qui ça le bras diriger tout par décret, mais faut que nous suspend by tête nous menti. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien la police lui-même prend une autre quoi gros décision. Eh bien ça qui passé DGPNH ça te réuni tout commandant yo et ceci dans toute distinction, pas oublier en dedans la police a gagné plusieurs branches pour parler ensemble avec yo et ceci li fait moral yo pour faire yo konnen yo doit agir avec respect et yo doit protéger droit moun pendant que yo même yo a fait travail yo parce que yo besoin gagner yon la police de proximité. Donc ça c'est yon grand grand point que DGPNH la li même li touché parce que de nos jours nous capable suivre gen en pile attaque ka fait et non seulement ça tout et manifestant a foué caoutchouc dans tête la police et journaliste a bay la police coup de caméra. Donc la police même pas suspendre saboter yo. Donc en ce sens là important pour que police ta li même li connaît li doit agir en professionnel malgré toute situation que t'es capable présenter, mais faut qu'il apprenne maîtriser et non seulement ça tout pour capable porter yo pi bon résultat. Et puis tout ou même qui pral manifester à tout faut pas quitter émettre 50 tout pas penser à cause police si yo campé yo là pour protéger servi pour saute quand on sorti pour ba yo soufflette yo pa ka rit campé gado comme ça puisque yo même avant on était policier yo gen moun yo gen sang kap couler dans venir tout faut que nous yon pas essayer offenser l'autre. Mesdames, mademoiselles et messieurs, kounya n'ap entre dans dossier Youri la tortue sénat ancien sénateur Latibonite. Ça passé nous connait que gen yon journaliste qui c'est Ismaël Valestin. Donc ça t'est passé bien un jour avant yo, monsieur t'est publié yon équipe chèque et chèque ça yo maman sénateur Youri la tortue a touché yo depuis en 2011 yon chèque salaire en dedans parlement combien qu'oublié 800 000 goud qui est évalué à 10 000 dollars américains par mois. Donc l'agent ça l'a touché depuis 2011 là, et bien l'imam des sénateurs pour qu'il vienne éclaircir puisque média pas la justice. Nous connaissons bien avant ça, et bien t'es gagné un citoyen qui t'est accusé Youri deal nan drogue, et bien là Youri t'allé dans tribunal ensemble avec moun nan li t'es gagné procès. Donc journée jodi a, et bien journaliste ça li déclaré li Youri pas ka faire le menace. Mais au contraire, si c'est menti le bail, qu'elle traîne la justice pour la répondre question parce que lui-même, li pas qu'on bail menti. Eh bien, ça qui passe. Après, journaliste la te fin fait publication, en mandé sénateur pour vin bail explication, pour vin défendre tête li sous dossier ça. Eh bien, dans des universités, yo t'a pral croiser dans hôtel Oasis pendant que sénateur lui-même, li t'a sorti dans une réunion et lui-même, li était dans la cour à parler ensemble avec un autre citoyen. Et puis, à grand étonnement, les sénateurs descendent, li saluent tout le monde et puis les wol chital, si m'te gita ou c'est où, m'pa t'ap salye ou. Donc, journaliste a te rete nan calme li,
li pa répond et puis après ça il dit oui si c'est ou me te là me pas t'ap salue parce que son ti vacabon kounya là l'alfin dit son ti vacabon parce que li pa de droit bay yo information comme ça li pa de droit publier chèque il était supposé relèl sous côté parler ensemble avec peut-être li te ka acheter ou bien faire men bouchi c'est ça journaliste la déclaré. Donc en ce sens question m'a posé tête moi est-ce que n'a fait démocratie puisque yo moun bay vérité c'est normal en tant que moun kap qui te fait partie moun kap lutter contre corruption en dedans pays ya et puis c'est comme ça pour menacer l'autre elle même aller plus loin pour le faire le connaît c'est lui même qui nèg go naïve est-ce qu'on entend c'est nèg go naïve lié ça veut dire nèg go naïve nous ka comprendre li pa jouer et bien mesdames mademoiselles et messieurs ça passé journaliste la te répond ni pour le faire connait lui même c'est nèg nan non lié donc pas gen moun ki ka ferme bouche dans sens ça parce que lui même n'importe côté le rivé là toujours prêt pour le défendre et côté le sorti il a toujours prêt pour le construire côté le sorti et si gen de l'argent tombe dans mel tout la construit la développer zone mais li pas là pour le craser pour le bouler non zone pas là donc non avec parole ça li frappe sénateur très très fort et non seulement ça tout li dit Vladimir le gagnant, nous t'es passé mal ensemble avec lui, ensemble avec un paquet l'autre journaliste encore, nous éliminer. Mais lui-même, lui pas mourir comme ça, l'après camper dans boule figuioa pour lui dire ça que l'a dit. Et ceci, y'a pas qu'à faire même bouche ensemble avec l'argent. Eh bien, sénateur a été allé plus loin pour lui dire, c'est Jovenel qui paye ou pour que, ou bah, une information comme ça, c'est Jovenel qui bat un petit bout d'amoné. Eh bien, c'est, journaliste la répond monsieur pour le faire connait eh bien si il t'a prend l'argent dans mes journal c'est parti bouda monnaie et s'il t'a prend l'argent tout li kon sale t'a prend faire l'argent c'est développer il t'a développer mais c'est pas gang li t'a créé on quitte ça là pour le pas faire donc mesdames mademoiselles et messieurs eh bien journaliste la parler ensemble avec sénateur et ça vraiment fait triste parce que nous connait Youri la tot si son moun ki vraiment red nan sa ki rele politique la ka fè politique depuis très très longtemps et ceci li pa jam pense si ça te capable intimider sénateur à nou niveau comme ça parce que les ULCC te rele le dernièrement là pour venir répondre une question la justice li pa de vini mais liberté déclaré si que Youri li talé c'est ta pi gros moun nan l'histoire politique pays d'Haïti nan dernier moment là mais malheureusement yo moun kap lite kote corruption ki nan corruption mais ki kote nou vle aller avec pays parce que je ne jodi a mesdames mademoiselles et messieurs li clair pour la justice rele Nenel Kasi pour venir répondre une question pour li faire yon invitation et puis go paquet l'autre moun ki deja fò kwè que c'est attaque politique donc li pa gen droit aller s'il prale yo tout ki prale mais qui jou vle pou yo juger barbecue qui jou vle pou que yo juger Tilapli qui jou vle pou yo juger et Izo si que ou même qui se dirigeant qui nan pays ya jusqu'à présent qui libre là que la justice relo pou vinn répondre quelques questions au lieu ou aller pour le temps de sa yo abdou. Mais au contraire, c'est pied ou tirer, c'est clan ou fait camper dehors pour dire non, c'est attaque politique. Donc, c'est normal, laisse à lui-même quitter là, lui descendre libre, parce que l'oreille, elle, tout l'abdou, ça vient dire non, moi, je l'aime dire que l'on s'en défait. Ou te dit c'est attaque politique, c'est persécution politique qui te, et mais lui-même tout l'abdou pour le camper avec petit clan pâle, pour le dire pas mettre pied. Et puis voilà, et puis nous dit n'a fait pays, nous gain la justice, nous gain 10, nous gain date. C'est parce que tout bagay qui a passé dans pays ya là, nous mettez yo en rapport avec politique. Ou ap saisi ou nan jou k'ap vini yo là, yo jeune garçon k'ap marcher dans manifestation en opposition, met André Michel y compris tous les autres, ou ap saisi ou les croisé avec madame yo, yo al font ti bagay yo pa gen bonne, yo ap dou c'est Jovenel qui fait yo pa gen bonne. Oui. Parce que tout bagay là c'est politique donc ou saisit tant nos bagay comme ça et moi même ça pas étonné parce que monsieur fait plus que ça madame mademoiselles et messieurs qu'il y a dossier Youri Chevri. Youri Chevri nous connaît lui-même il était prêt là pour descampette voler l'agricole en République dominicaine drôle de coïncidence eh bien l'on a isolé lui-même il tape tweeté fait qu'on est prêt à porter aide li bay papa le patron eh bien isolé pas d'Haïti non il était déjà en République dominicaine il tape tonne grand boss. Et ceci, madame Youri, tout est gay temps
en République Dominicaine attendent mais bien compté mal calculé et vent mal viré donc eh bien la police déposer la patte sous lui. Selon Galvez nan ti causé nan payol nous konn qui est monsieur li plus parler de République Dominicaine za fait moun dirigeant pa Boris Tadjou que Youri Chevry ancien magistrat Port-au-Prince lan li en détention préventive prolongée c'est pas vrai c'est que Youri still nan prison a manger espagetti voilà donc eh bien nous connaît gouvernement pays d'Haïti a mandé gouvernement République Dominicaine formellement pour que yo voye yu retourner Bali pour venir répondre question la justice. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou même cap gagné pour faire route, si de pays a, pas hésiter à prendre en pile précaution puisque la police lui même décide tout bon vrai pour yo pas quitter bandi yo en paix. Donc, en ce sens, avec Ed Colombie, qui ça qui pral passe dans jou kap vini yo la, puisque nous connaît, communauté internationale la dit, piga bandi ap sikile. Est-ce que n'ap décidé marcher sous l'audio ou bien n'ap quitté bandi yo kale koyo toujours? De toute façon, restez connecté ensemble avec nous pour nous capable pote plus de détails pour. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci tout pour fidélité ou ak patience. Merci pour like ou yo, merci pour commenter ou yo et merci pour partager. Moi ramou en pile, moi pralé m'a kito nan bra papa boje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, non pas m'se fouko, n'ap kwazi dans l'autre vidéo. Au revoir. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout sa cap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizère depuis Studio 18, la voix de l'Amérique en Washington. C'est un plaisir. Yon l'autre fois encore avec vous pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est mercredi 24 février 2021. Ici, aux États-Unis, il y a une grosse décision. Yon juge dans Texas prend pour lui casser la décision que le président Joe Biden te prend pour ne pas gagner déportation pendant 100 jours. N'a pas gagné détail pita dans le journal là avec Sandra et le maire. Et puis, dans le pays d'Haïti, dernière intervention chef de l'État, Jovenel Moïse, fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit lundi 22 février passé, a continué à soulever contradiction dans la société haïtienne. Il y a un reportage, Massado Vilmé, depuis Port-au-Prince. Le responsable parti politique émergence patriotique, là, René Civil, dit président Jovenel Moïse, pas n'a aucune légitimité et droit pour parler dans nos nations haïtiennes. Il y a un gros doute. Je ne comprends pas comment le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a des grandes puissances, des pays civilisés, des pays qui ont respecté la loi et la démocratie, t'as qu'à permettre, oser, recevoir un ancien président. Un ancien président, ce n'est pas n'importe quel ancien président, non? Un ancien président qui crase le pouvoir judiciaire à la Kaili, qui crase le pouvoir législatif à la Kaili, un ancien président qui fait tout ce qu'on est dans la manœuvre de corruption, la qui n'est pas même institution, l'État dans le pays de la Kaili. Si ce n'est pas pour de vin qui fait rencontre ça à fait, eh bien, ou bien Conseil de l'ONU, sécurité de l'ONU, a cherché un bagaille, lui besoin de comprendre, non mais Jovenel Moïse. Parce que Jovenel n'a aucune capacité, aucune logique qui a défendu le pays ici, à aucun côté. Que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. Devant Excellence Gassila, chef d'État fait devant Conseil Sécurité Nations Unies, dirigeant parti politique là, René Civil, à quelques responsables organisations politiques proches opposition, quoi déclaration ça, c'est une menace pour démocratie pays. Le président de la République campé dans l'ONU, et tout le monde connaît ça, la presse représentée dans le monde. Et en Haïti, nous avons un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes, avec des journalistes seniors qui bataillent pour la démocratie, ou qualifiés de gangs. C'est inacceptable. Moi-même, en tant que militant politique, dirigeant politique, je ne vais pas qualifier mes camps. Parce que lui dit tout le monde qui a manifesté pour la démocratie, tout le monde qui a manifesté pour les droits, tout le monde qui a manifesté contre la corruption, qui dit des militants ou des journalistes qui permettent l'information à traverser ces camps. Moi, je crois que Jovenel menti sur toute la ligne. Fausse déclaration, ça, lui visait à mettre en péril. Fausse déclaration ça que ex-président Jovenel Moïse fait, il visait à mettre en danger la vie de chaque journaliste donc qui a exercé profession yo dans la rue.
Parce que nous pas oublier que pendant dernier moment ça yo journaliste c'est véritable cible. Eh bien police politique qui gagne en tête li militant politique là nous voulait parler de Léon Charles. À plusieurs reprises gagne en pile journaliste qui victime soit des balles réelles et balles caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Jovenel Moïse pa gen aucune provision légale li capoter pour peuple haïtien. Je dis à son président qui gagne piment dans bouche li qu'a parlé pour parler. Comment t'as pensé Jovenel Moïse campé dans le micro pour dire que conseil de monde qui habillé qui propose la presse c'est gang yoyé. Je dis à côté qu'elle passe l'ordre avec la police avec bandit légal lio définitivement pour tuer la presse. Quand la presse menacée, nous disons démocratie à tout qui menacée. Dans un tweet li fait dans même journal lundi, président Jovenel Moïse quoi, si un monde a défend démocratie pays, il doit soumettre à toute demande yo tant que za fait élection qui c'est une règle fondamentale démocratie pays a. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massado Vilmé, nous gain Massado Vilmé soulignant et déclaration ça assemblée Massado fait en pile soulever en pile protestation bon côté journaliste et bon côté association média autour Massado. Justement Jacques Belizer gagné association journaliste haïtien au AGH gagné SEMEL qui est collectif des médias en ligne gagné tout et gagné tout solidarité des femmes haïtiennes journalistes au PEJ. Yo même qui dit indigné yo choqué et devant déclaration ça que président Jovenel Moïse lui-même il fait et dans conseil des Nations Unies et lundi passé. Donc, pas oublier dans le dernier jour, il y a un pile journaliste qui est victime pendant qu'il a couvert une série de manifestations qui a déroulé contre le pouvoir en place là. Eh bien, l'association médias qui m'a cité là tout, ils ont mis des votes différents ou bien plusieurs autres journalistes qui perdent la vie sous administration Jovenel Moïse. Nous sommes capables de citer Rosine Pétion, Vladimir Le Gagnier, Néhémie Joseph qui perdit la vie et jusqu'à présent qui sont capables de jouer une justice. Donc, il y aurait été quoi que c'est une déclaration qui est capable de mettre le travail en danger, qui est capable de mettre qui est capable de fragiliser métier journaliste. Là. Et Massado Vilmé, dans le cadre de mobilisation, tu as semblé que Gagnier. Il y a un gros match qui est annoncé pour 28 Capvin là et nous, secteur protestant parmi avant-gardistes. Justement, nous avons tout ça, c'est sous l'initiative secteur protestant. Eh bien, il y a une manifestation qui est annoncée pour 28 février qui a venu là. Eh bien, il y a plusieurs secteurs qui déjà pris en part de la manifestation. C'est là, il y a une organisation politique eux-mêmes qui déjà dit qu'il a participé à la manifestation. Ça, c'est une manifestation qui va le faire contre dictature. C'est une manifestation qui va le faire pour demander Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse, remettre Clé Palais. Eh bien, nous autres, nous avons et leader et mouvement troisième voie qui c'est Reginald Boulos lui même tout qui demandait avec un secteur privé qui c'est un secteur qui beaucoup dit rien sous et crise politique là et bien lui demandait yo le même tout pour dire un bagage pour prendre la route pour rejoindre et différents secteurs ça yo qui doit manifester dimanche et 28 février qui venir là mais toutefois Jacques Belizer nous doit dire que ancien et sénateur Nipla, on a parlé de sénateur Nenel Kassi, eh bien lui-même lui est invité dans la direction centrale police judiciaire de CPJ vendredi qui a venu là. Toujours sous ça qui vient pour être ensemble avec l'homme d'affaires et nous voulons parler de Jacques-Pierre Matilis qui a perdu la vie et 3 février passé. Et Massado, un dernier mot brièvement, est-ce que vous avez dit que sous Colombien qui est entré en Haïti hein? Justement, il y a une délégation police colombienne qui vient dans le pays d'Haïti. C'est pour capable, nous tous, c'est sous initiative, comment association ça a fait. C'est sous initiative Bureau Affaires internationales supérieures à renforcement que une délégation police colombienne est même arrivée dans le pays. C'était lundi 23 février. Eh bien, délégation ça a été accueillie par chef police, M. Léon Charles. Gain pour mission pour renforcer eh bien unité
qui travaille dans la police nationale par boy là il était qui travaille tout ça qui est pour ensemble avec enlèvement et kidnapping tout ça mais pas oublier Jacques Belizer question kidnapping là il était une question qui mettait vraiment population haïtienne dans qui mettait population haïtienne dans deuil parfois qui mettait dans gros doute qui et qui permet de pas avancer vraiment vrai avec activité donc en plus le monde était quoi que et délégation ça ou bien mission ça ça va renforcer vraiment et sécurité par boy ici. Merci Massado Vilmé, c'est correspondant service créole la voix de l'Amérique là dans Port-au-Prince pour dernière nouvelle concernant capitale là et pays d'Haïti et l'autre point dans actualité là concernant pays d'Haïti divers membres dans société civile là à représentant dans gouvernement a brassé l'idée sous projet nouvelle constitution dans Port-au-Prince sous l'obédience au fils protection du citoyen. Yo reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Assise multisectorielle sous nouveau projet constitution a déroulé comme ça droit dans Port-au-Prince. Protecteur citoyen Renan Edouville bat bravo pendant le déploré menace bon côté individu sans foi ni loi pour débouler hôtel côté activité ça a été prévoir organiser auparavant. Mais des menaces directes ont été exercées sur l'administration de l'hôtel en violation du droit à l'investissement privé et on a dû annuler la réservation. C'est bien dommage. Des menaces, comme on le sait, ont été aussi lancées à l'endroit de l'OPC. Mais en dépit de tout, nous sommes là. Pendant la journée mardi et mercredi 24 février, dans le local OPC, dans l'ALU, participants ont brassé l'idée sous projet nouvelle constitution, vérifier s'il conforme avec l'esprit constitution 1987 amendée selon Renan Edouville. Au cours de ces deux journées que nous allons passer ensemble, nous allons justement, en toute liberté, de manière démocratique, de manière académique, de manière purement classique, discuter sur le document qui a été préparé par le comité consultatif indépendant. Ministre qui responsable citoyenneté et patriotisme félicité intégration diaspora et monde handicapé dans draft nouvelle constitution. Guy André Junior François fait connaître changement ça m'a connaître avec vision administration Jovenel Joutlan qui pas suspend selon ça dit plaider pour catégorie sociale ça yo participer dans gestion pays. Avec cet avant-projet, je vois l'inclusion des femmes, je vois l'inclusion des jeunes 25 ans pour occuper, pour être député par exemple. Et aussi, j'invite les membres du comité consultatif à travailler avec tous les secteurs. Et j'aime bien le slogan, faut tout qu'on la donne. N'a pas rappelé depuis annonce déroulement assise sous nouvelle constitution, acteurs dans l'opposition à quand même dans la société civile émettent en pile critique contre OPC qui selon eux-mêmes embrassent un projet cap exécuté en dehors la loi. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Réaction, yon leader dans la société civile là, Joseph Domingue Orgela, qui était gain représentant dans Assise 2 jours Office Protection Citoyen, organisé sous projet Changement Constitution, salué décision président Jovenel Moïse prend qui reportait date référendum non pour 27 juin 2021, monsieur Orgela. Je t'ai annoncé constitution ça référendum a fait sous constitution ça le 25 avril. Bon, décision gouvernementale nous est sorti qui dit c'est 27 juin. Nous dit bravo parce que ça a permis plus de discussions faites sur le document, plus secteur a bien approprié le document et ensemble de ça d'après les 15% qui manquaient par rapport à revendication toute population l'a bien rentré dans la constitution pour permettre constitution ça c'est une constitution qui est vraiment faite pour tout haïtien quel que soit côté à vivre sous terre. Nous-mêmes dans CEDEC, nous restons ouverts parce que nous disons qu'il faut que toute population mobilisée, même si nous avons un grand pile de monde qui dit que ce n'est pas le moment, nous-mêmes nous pensons que c'est le plus bon moment pour que ça soit fait
Parce que la Constitution 87 l'a dit, c'est le Parlement qui doit faire proposition d'amendement. Et bien là, par rapport au pouvoir Parlement, ça a gagné. Après sept législatures, nous dit Parlement ça, puisque je dis à qu'on dysfonctionnement des institutions ça, et population qui c'est lui-même qui met pouvoir, lui qui doit décider et faut que lui décide by tête lui, une autre constitution, une constitution ça, cap revenir avec une autre système politique côté effectivement cap venir gagner un président qui est responsable, un vice-président qui accompagne elle. Et un parlement qui était dans le rôle pouvoir législatif, qui c'est le pouvoir de contrôle. Et l'autre institution de contrôle, par exemple, la Cour des comptes, ULCC, UCREF, faut ces constitutions qui définissent mécanisme pour moun entrer là-dedans, ce n'est pas exécutif qui pourra nommer moun. Nous dit ça, la permettre de combattre la corruption. Et tout ça, c'est notre discussion qu'a fait ensemble secteur, au lieu de nous rester dans le gourmet, dans dit. Pas qu'à une constitution, en nous chita réfléchi pour nous, effectivement, constitution ça, pas fait pour un petit groupe monde, mais le fait pour tout Haïti. Joseph Domingue Orgela, c'est un membre de la société civile là, dans le pays d'Haïti ou sous la voie de l'Amérique, nous avons mis depuis Washington DC, nous avons dit que vous êtes capable de suivre nous sur plusieurs plateformes, notamment sur Facebook, VOA Nouvelle, ou capable de suivre nous sur Twitter, Instagram, Instagram VOA Créole, et puis vous êtes capable de suivre nous tous sur VOA Nouvelle. Et puis, tant qu'on te dit le commencement programme, non, et on juge dans Texas pour une grosse décision, côté que on était le président Joe Biden, dans le début, l'effet que prend pouvoir, te dit que eh ben, pendant 100 jours, pas de déportation, et on juge qui prend une décision contraire, et ceci définitivement. Sandra, le maire, dis-nous plus non sous question ça. Bonsoir, Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc, justement, c'est un juge fédéral américain qui bloqué indéfiniment, donc jusqu'à nouvel ordre, une mesure que l'administration Biden a te prend et côté que lui mandé pour faire une campagne pour gagner un moratoire 100 jours dans plus fort déportation. Yo. Donc, juge Drew Tipton t'a accordé une demande que l'État Texas t'a fait pour empêcher moratoire entrer en application parce que d'après lui-même, il violait la loi fédérale et puis risquait coûter l'État Texas un paquet d'argent. Donc, là, il explique que le président Biden a proposé un moratoire 100 jours dans la déportation yo, pour, pendant que l'État mène une campagne, il a parlé de ça. Et dans le cadre du projet que l'État a gagné pour lui réviser la loi immigration prédécesseur, et Donald Trump t'est adopté. Et il était voulu tout renverser quelques décisions que l'administration Trump l'a pris sur l'affaire immigration. Donc, c'est comme ça que le président Biden t'a proposé un projet de loi immigration qui t'a permis pour une affaire de 11 millions de monde qui vivent aux États-Unis illégalement pour y joindre résidence légale. Et puis, il proposait tout quelques autres règlements par rapport avec qui est agent immigration, yo, avec agent frontière, yo, en tant que visé, là, il a décidé qui est qui a quitté, entré aux États-Unis, qui est qui a déporté. Donc, juge Tipton, il faut nous dire, c'est un juge que président Trump a nommé. Et il a pris une première décision, soit fait moratoire, ça, le 26 janvier, côté il était bloqué. Décision parce que il était dit que le gouvernement, donc l'administration Biden, n'a pas montré une façon adéquate pour que ça, une pause dans la déportation, ait été justifiée. Donc, l'ordre temporaire, ça, que l'été prend le 26 janvier, il était supposé expirer mardi. Donc, jeudi, décision jeudi, est une décision ça. Donc, pour qu'on y a, nous pouvons connaître Jacqueline, si le gouvernement Biden n'a pas contesté la décision, donc, n'a prétendu pour ouais. Donc, et nous avons cherché réaction, bien entendu, sous ça, parce que ça pourrait affecter Haïtiens, qui est un pile Haïtien
qui a essayé de rester aux États-Unis, qui peut-être a vécu aux États-Unis illégalement. Donc, nous contacter l'ambassadeur haïtien aux États-Unis, Bokchi Edmond, pour réactionner à nouvelle ça. Mais ça lui dit nous apprécions l'effort administration Biden en fait pour gagner un mur à 300 jours sous déportation. Yo. Pendant nous respecter dernière décision juge fédéral à sous question, nous espérons administration Biden avec assistance Congrès américain va joindre une solution finale pour problème ça qui est très sensible et qui affecte en pile haïtien. Faut que considérer impact humain décision ça. Donc ça c'est réaction et ambassadeur Bokchi Edmond Jacqueline. Oui, et Sandra, dans l'autre nouvelle encore, dans l'autre réaction, nous connaissons que l'ambassade américaine Gainlé a sorti encore l'autre réaction par rapport à gouvernement ou bien administration Jovenel Moïse. Là. Justement, donc il a frappé très bonheur sur le réseau social, sur Twitter, ambassade américaine, non, côté que les retweets au message en mystère. États-Unis, non Nations Unies, qui c'est un paragraphe de message ambassadeur Jeffrey De Laurentiis t'a fait devant Conseil de sécurité l'ONU, hein, le réuni sur Haïti. Donc, message ça, c'était que faut gouvernement haïtien mette fin en période dirigée par décret. C'est seulement un gouvernement qui est stable, démocratique et représentatif qui peut résoudre comme ça doit problème tant que violence, corruption et abus qu'a fait contre droit civique avec droit monde. Ensuite, ambassade États-Unis et lagué sous compte li tout, un tweet que Julie Chang fait. Julie Chang, c'est un employé département d'État américain. C'est secrétaire d'État adjoint à I. pour affaire qui a un rapport avec l'hémisphère occidental. Là. Julie Chang dit, c'est responsabilité gouvernement Haïti pour créer une atmosphère adéquate pour élection qui libre à connaître qu'a déroulé en 2021. Les États-Unis ont collé avec la communauté internationale là, pour lancer appel à acteurs politiques pour joindre une façon pour coller tête ensemble pour joindre une solution pour impasse politique. Là. Donc, parti ça tout ça Julie Chang voyait sur Twitter ni te fait parti message ambassadeur américain Jeffrey De Laurentiis devant Conseil de sécurité l'ONU. Ambassade américaine dans les mêmes dans tweet pas les dit États-Unis étaient concernés par création nouveau institution l'État yo qui gagne la donne agence nationale intelligence là qui t'a causé plus risque pour droit fondamental avec responsabilité en Haïti. Et puis, il est tout collé une photo de arrêté 26 novembre qui était créé à Jansa. Merci Sandra. Sandra Lemaire, c'est journaliste et éditeur dans Salle des Nouvelles La Voix de l'Amérique qui t'est poté pour nous. Information tout chaud ça, notamment juge fédéral de l'État Texas qui campait indéfiniment jusqu'à ce que tu as gagné un appel qui t'a fait. Et sous décision que l'administration Joe Biden a été prise pour pendant 100 jours pour pas de gain déportation, nous voyons qu'il y a plusieurs déportations qui faites en direction d'Haïti. Il a pris décision ça le 26 janvier et jeudi encore, il fait même bagaille là, mais cette fois-ci, qui gagne plus force. Et Sandra Tebanoutou, dernière réaction, gouvernement américain, que ce soit pas ambassade américaine, que ce soit pas Julie Chang, sous situation dans le pays d'Haïti. Ou sous la Voix de l'Amérique, la peut mettre depuis Washington DC, mais on annonce service public la Voix de l'Amérique. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. En nous yon protéger l'autre. En fait coucou rouge derrière coronavirus là, qui continue à faire des gains dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veille corps. Oui, la Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, actualité à non ici aux États-Unis après ils ont annoncé service public la Voix de l'Amérique pour la première fois depuis 6 janvier 2021, c'est un américain
tendez des positions sous manque sécurité qui était facilité fanatique président Donald Trump yo envahi Congrès et la fait un paquet zak violence. Jean-Robert Philippe et Abdi nous plus sous question. Jean-Robert. Vraiment, effectivement, Jacqueline, c'est avec étonnement, avec un pile étonnement parlementaire, le sénateur américain était en première séance de déposition, responsable de sécurité replacé, était supposé qu'ils aient sécurisé Congrès à 6 janvier 2021 pendant manifestation supportée ancien président Donald Trump, qui a fait devant Congrès à toute autorité qui était défilée devant la commission Sénat, et bien, il était reconnaître. Il y a une grosse faille dans le système de sécurité qui était supposé garantir sécurité pendant la journée. Ça, c'est la période de journée 6 janvier 2021. Parlementaire américain attendait pour la première fois officiel de sécurité au placé sous faille qui était gagné dans le Congrès après supporter l'ancien président Donald Trump qui a attaqué le Capitole là 6 janvier passé. Responsable sécurité au placé a déclaré qu'il n'a pas préparé assez pour faire face avec Assaan. We properly planned for a mass demonstration with possible Stevenson, violence. Ancien chef de police Capitole là, a déclaré qu'il n'était planifié pour une manifestation de masse avec violence possible. Mais force de l'ordre a fait face plutôt avec une attaque militaire coordonnée avant manifestants ont utilisé violence pour prendre contrôle parlement. Congrès américain gagne propre agence sécurité PAL qui gagne un budget $516 million et selon responsable yo était consulté la police dans Washington DC avec autorité fédérale avant manifestation supportée ancien président Trump yo était organisé devant Congrès pour empêcher certification Joe Biden comme vainqueur élection présidentielle novembre nan. Everyone was very satisfied that we had a Paul Irving, ancien responsable sécurité chambre députée, a parlé pour dire tout le monde était satisfait que nous avons mis en place un système de sécurité JAM qui te répond avec exigence renseignement nous avons gagné dans le moment. Stevenson, ancien chef de police Capitole, a déclaré par les parlementaires que les préparatifs étaient capables de différents s'il était au courant. Avertissement FBI était le 5 janvier, donc la veille de manifestation, sous possibilité de gros menaces de violence pendant la manifestation. How can you not get that vital intelligence on the eve of what's going to be in a major event? Sénateur démocrate Gary Peters a demandé à l'ancien responsable qui a fait rater renseignement important ça la veille d'une grosse manifestation comme ça. Stevenson te répond. That's something we need to look at. What's the process and how do we streamline that information getting to where it needs to go? C'est un bagage nous besoin vérifier qui j'en processus là et qui façon pour assurer que information arrive côté de rivière. Li par clair sous raison qui explique réticence qui te gagne pour te déployer garde nationale là comme renfort dans Capitole là. I was surprised at the reluctance to immediately send the National Guard. Chef police intérimaire, département police métropolitain Washington DC, parlait pour dire moins te surprendre réticence qui te gagné pour te déployer garde nationale là dans Capitole là. Autorité a accusé plus passé 250 monde pour participation dans le campé. Responsable de la sécurité yo d'accord attaque dans Congrès a été clairement planifié et coordonné à l'avance. Chef police intérimaire, département police métropolitaine Washington DC, Robert J. Conte III, parlait pour dire plusieurs monde dans la manifestation ont eu une radio communication dans le Le fait que plusieurs participants ont été coordonnés pour utiliser produits chimiques, certainement, moins quoi que c'est signe qui montrait attaque là été coordonnée. Déposition mardi 23 février a marqué commencement enquête qu'a fait sous pire mauvais faille sécurité qui jamais existé depuis 200 ans Congrès. Officier Lyon dans le Pentagone, donc le département de défense américain, a fait des positions par la semaine prochaine sur l'attaque qui est faite dans le Congrès 6 janvier 2021. Dans l'autre nouvelle, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé un discours sous vidéo devant le membre du Conseil droit des Nations Unies, côté de réaffirmer l'engagement de Washington pour faire pression pour protection universelle et promotion droit des M. Blinken déclaré les États-Unis a cherché retourner dans le Conseil droit des Nations Unies les vagues élections pita nanéa. Officiel américain précisé dans le discours jeudi mercredi 24 février 2021, nous demandons humblement soutien tout membre de l'ONU dans la démarche n'a fait pour retourner joindre un siège dans l'organe. Il y a 47 sièges, 47 membres dans le Conseil droit des l'ONU et durée mandat c'est 3 ans. Chef diplomatie américaine a précisé États-Unis ta remet occupé yon siège sorti 2022 pour arriver 2024.
À l'étranger, situation a toujours été compliquée dans Birmanie. Voisin pays a déployé efforts pour si crise a joint une solution après coup d'état armé qui déchouqué un gouvernement civil élu. D'après une source qui sortit dans pays Thaïlande, ministre affaires étrangères junte militaire birmanien Wuna Mang Luen trouvé dans Bangkok jodia pour parler avec premier ministre thaïlandais et Prayut Chan O-cha avec ministre affaires étrangères Don Pramod Winai. Pendant ce temps, il y a une manifestation qui a déroulé devant l'ambassade indonésienne et manifestants ont demandé pour l'Indonésie respecter les résultats de l'élection novembre 2021 en Birmanie que la Ligue nationale avec Aung San Suu Kyi a remporté avec une grosse victoire. Et puis ici aux États-Unis, la police a cherché qu'on est jeudi mercredi qui s'est poussé célèbre joueur de golf Tiger Woods quitter Woodley en Californie pour lui faire une collision avec un pied-bois et plonger dans une colline. Côté célèbre joueur golf là blessé gravement hier mardi. C'est une équipe pompier qui était retiré Tiger Woods dans machine grâce à un appareil spécial côté que il subit un pile dommage machine a subi un pile dommage. D'après un shérif dans zone là, c'est bon Dieu qui sauve Tiger Woods pour pas mourir monsieur qui gagne 45 ans. Yo te mené Tiger Woods dans centre médical qui est à bord UCLA. Superstar golf là qui blessé plusieurs côtés dans jambe droite li subi yon gros et long intervention chirurgicale jusqu'à présent santé li stable. M'ramasser paquet moi cause habitant pa misé la ville. M'pralé mais m'a kito na bra papa bondji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.